Hey yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comment lire le message de quelqu'un sur WhatsApp sans que la personne ne sache que vous avez lu son message. Voilà. Un exemple, ça c'est le téléphone de votre ami qui vous envoie un message. Votre ami vous envoie un message, voilà. Qu'est-ce que je vais écrire? Allô. Voilà, votre ami écrit allô et vous envoie. Voilà. Vous voyez, il y a les V à droite en bas, les V qui sont les deux V. Vous voyez que les deux V sont gris. Ça veut dire que le message est parti, mais vous n'avez pas encore lu le message. Voilà. Et quand vous lirez le message, ça deviendra bleu chez votre ami. Donc, votre ami saura que vous avez lu le message et que vous devez répondre. Voilà. Ça, c'est chez vous. Ça, c'est votre téléphone. Vous avez reçu le message. Allô? Vous cliquez. Voilà. Allô? Ça veut dire que vous avez vu le message. Voyons, chez votre ami, vous voyez, c'est bleu. Ça veut dire que vous avez vu le message. Donc, vous devez répondre. Maintenant, comment faire de sorte que si vous voyez le message, vous pouvez voir le message et que votre ami ne saura pas que vous avez vu le message. Maintenant, vous allez... Vous allez sur votre WhatsApp, dans votre WhatsApp, vous voyez en haut à droite les trois points, vous cliquez, vous allez dans paramètres, vous voyez compte, vous allez dans compte, ensuite confidentialité, en haut, vous défilez jusqu'en bas. Vous voyez confirmation de lecture. Vous voyez que c'est coché. Vous cliquez là pour décocher. Voilà. Confirmation de lecture. Ça veut dire que vous avez décoché. Désormais, quand vous lisez un message, la personne ne saura pas que vous avez lu le message. Donc,